Et attention, il me semble qu'il est déjà averti. Et voilà, c'est terminé. C'est la victoire. Ah, quelle déception. Quelle déception pour les vaincus. Ouais, on voit quelques joueurs déjà qui restent au sol. C'est toujours difficile de perdre dans ces conditions. Et la joie collective de cette équipe qui est allée au bout. Ils semblent ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait maintenant, puisque c'est acquis. Regardez cette belle scène de joie collective dans le rond central. Ouais, ça sent la bonne chouille ce soir, Hervé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas des deux côtés. Hein. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon... Les joueurs s'en fichent. Hein, et... Ouais, ce qui compte, c'est le trophée qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos hein, qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. Hein. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Ah oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Et je sens que tu es heureux. Ah, ils vont aller fêter ça avec leurs supporters, je pense. Bah lui, il a mis 5 mètres à tout le monde. Il veut tellement pas la filer, sa coupe, qu'il est parti devant tout seul. Ah, est-ce voilà, qu'ils vont rattraper. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur le ventre. Non, non, c'était juste se mettre devant les supporters, les plus chauds, leur montrer ce trophée quand ils sont si fiers. Et se mettre sur le ventre pour glisser. Oui, je pensais que vous alliez faire ça. Parce que moi, quand je me mets sur le ventre, je glisse pas. Hein. Non, ça je peux comprendre.